La tisane grand-mère est toujours omniprésente dans la société Rodriguez. C'est surtout nos bonnes plantes endémiques et indigènes qui tiennent sa bonne vertu là. Zodi, la médecine traditionnelle, Yonko ina sur place. Bonsoir et bienvenue dans Funcare. Don Rodrigue est dans beaucoup d'efforts et actions qui en cours pour la préservation et conservation des plantes. Environ 3000 plantes, il met en terre depuis les années 90 Cotonou. 25 ans après, ban responsable Mauritius Wildlife Foundation peut dire qu'il ban résultat dans la protection de la faune de Rodrigue, li déjà visible. Ban plantes endémiques et indigènes de Rodrigue, la plupart, et en ban vertu et ban propriété médicinale. Nous travaillons dans la réserve de Grande Montagne et nous travaillons la conservation des plantes endémiques et indigènes. Et nous faisons des plantations, nous coupons des plantes exotiques et nous remplaçons d'autres par des plantes indigènes et endémiques dans la réserve. D'ici pour la saison 2017-2018, nous mettons 20 000 plantes en terre dans la réserve de Grande Montagne. Mais est-ce que vous trouvez ce travail-là, il est trop souffrant? Oui, il peut bien porter souffrir parce qu'il nous remarquait avec le travail de la conservation qu'il nous peut faire ici. Nous remarquait le nombre d'espèces de oiseaux endémiques et avec des insectes qui peuvent bien augmenter. D'accord. Mais suite à des plantes endémiques, vous avez aussi des vertus médicinales? Oui, beaucoup. Il y en a beaucoup parmi nos plantes qui endémiques qui ont une vertu médicinale. Normalement, ici, nous travaillons environ avec une quarantaine d'espèces. La majorité d'entre ces plantes-là, ont une vertu-là. Malheureusement, parfois, nous avons un acte de vandalisme qui est du monde quand nous pouvons travailler, quand nous connaissons certaines plantes et nous venons, nous coupons ces plantes-là, parfois nous déracinons aussi. Nous ne pas décourager, au contraire, nous travaillons parce qu'il y a un gros soutien avec la population de Rodrigue qui vient aider nous beaucoup dans notre travail de conservation à Rodrigue. Ban plante qui est une vertu médicinale dans Rodrigue, les nombreux. Parmi, il y a fleur soleil, la menthe, cascavel, safran, aloe vera et tant d'autres. Dans Montlubin, Guylaine Akang cultive la vanille. La vanille stimule le système nerveux, les soigne stress, la fatigue physique et intellectuelle et qui améliore la mémoire et que la concentration. La passion pour la vanille, je suis arrivée côté Kikani, je dis moi, il y a un plan la vanille, côté lui. Mais moi, je dis pour faire un petit bout. Là, une vanille, il y a un bon bout pour moi. Là, je couple, pas petit bout. Il est bien tardé pour les vanilles. Mais au fur et à mesure, avec le temps, qui m'a connu les besoins, sur racine, besoin vivre avec un bout du bois. Hein? Et puis ça, à partir de là, je me fais les montes avec ce du bois. À partir de là, ils vivent. Et puis, au fur et à mesure, il arrivait que l'île fleurit. Tous les jours, tous les fleuris, mais mon papa connaît. Un jour, je me dis, mon papa laisse toute sa fleur là, garder là. Je me disais, téléphone commission d'agriculture, je me disais, mon nom est plein la vanille, écoute-moi, il peut fleurir, mon papa connaît, comme mon papa connaît Pauline. Là, il y a un jeune qui prend retraite, à partir de là, il y a mon numéro de jeune qui prend retraite là, parce qu'il y a un jeune qui, pendant cette période que je travaille, il y a un cours à La Réunion. À partir de là, ça, monsieur là, il vient de montrer moi. Au fur et à mesure, je m'apprends, je me connais, je montre mon monsieur, je montre mon petit fille aussi. Mais aujourd'hui, nous pouvons récolter la vanille dans la cour. Il y a une période qui fleurit normalement, vers octobre à décembre. Ceux qui me suivent, vers octobre à décembre, il fleurit. Et qui caractéristique sa plante là, il est content de l'eau, il y a une plante facile à faire pousser? Ben, quand je regarde, il y a une plante qui est content de fraîcheur. Et puis ça, quand il est monté, il y a une certaine hauteur qui va les faire monter. Et puis nous allons retourner vers ce plante même. Quand il est monté, et puis nous retourner vers ce plante. Et puis là, à partir de là, il y a un secret qui besoin faire pour faire les fleurir. La médecine traditionnelle est toujours omniprésente dans Rodrigue. Autrefois, ban médicaments tirant et le Rodrigue est toujours privilégié sur la tisane maison pour contrer ce ban petit souci de santé. Ce qui me compte, moi je viens de voir le grand du monde. Je vais te montrer moi assez la médecine traditionnelle. Je n'ai pas connu l'hôpital avant parce que du tout même. Avant, plutôt bien tisane. C'est la première fois que je suis resté à l'hôpital, c'est pour mes premiers enfants. Nous avons servi tout le temps, nous avons servi la médecine traditionnelle. Quand nous avons eu diarrhée,
nos grand-mères, oui, fait goyave de nous. Quand nous avons des centri, c'est qu'il y a une médecine maladie qui dit bien existe avant. Elle dit, elle a un arbre qui appelle benzoin. Elle dit, crosse sur la crosse. Les médecins, les bouissards, ils donnent nous boire. Et ça passait. Quand nous avons la fièvre, les bouillis, ben, les feuilles, la jaunisse, ils donnent nous boire. Et les pieds qui appellent caspiote, les médecins donnent de l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont bien amers, ils donnent nous boire. Ça veut dire qu'ils tirent la fièvre dans les os. Et aussi, prend feuilles eucalyptus avec feuilles margose. Il fait nous dormir au là et les bouillies citronnelles de nous boire à soi. C'est-à-dire, ça fait eucalyptus là, avec sa margosa, il risque la fièvre en dehors, sa citronnelle là, il tire en dehors. Bois sirop, pour gaz, il est bon. Aussi, papaye, mal papaye, un pied qui n'appelle mal papaye, souffleur, nous bouillons pour l'estomac, pour la digestion, après pour gaz aussi, il est bon. Aussi, cascavel, c'est pour rafraîchir. Et quand souvent, quand nous boit rafraîchi, nous mettons cascavel, cendarou, l'herbe la mort, bois l'eau, ensemble, c'est-à-dire de faire une sorte de rafraîchi. Pour longtemps, si bien avant des enfants, il y a les verres, mon grand-mère, les tibouis, ben, botrice. Avant, les propres botrices, là, pour aller, ils mettent un chiffon, ils tapent, ils pèsent, ils sont jus, ils mettent un petit peu de sucre pour le goût et ils donnent nous boire, ça tire les verres. Après, ils donnent de nous boire. Dans Bazar pour Mathurin, Cathy Léonine permet en vente la tisane traditionnelle relookée, un projet qu'il a développé après une formation SMID. La tisane c'est que grand-mère c'est au fait c'est donc ban feuillage qui nous est là ici qui nous servit comme donc ban la tisane pour toutes sortes de malades comme à Rodrigue nous servit beaucoup de la tisane c'est ça même qui me refait développer c'est que grand-mère en sachet tout ban la tisane en sachet comme ça les commercialiser aussi pour ban du monde qui vit ici qui a envie servir la tisane de trouver ici. Mais Cathy, qui fait vous intéresser pour développer un projet dans la médecine traditionnelle? Au fait, c'est depuis mon enfance, c'est tout dans une série criasse. Comme ici, j'ai gagné une formation, donc mon préfère lance-moi dedans. Oui, donc pour faire le développement de ce produit-là, pour aller de l'avant avec. Oui. Mais qui est le type de tisane qui est non et secret grand-mère? Donc, nous avons une tisane, nous avons carré poulet, nous avons feuilles de mouroum, nous avons la grain café, feuilles café aussi, nous avons aussi donc citronnelle, nous avons l'amande, nous avons aussi enfin beaucoup feuilles betel tout ça, oui. Nous avons beaucoup, nous avons fait gingembre, safran, nous avons beaucoup variétés en tisane. Ouais. Mais comment vous découvrez tout ça, nos remèdes traditionnels, la Cathy, c'est facile? Non, il n'est pas si facile au début, mais c'est donc grâce à nos grands-parents aussi. Et pour donc, nos profs qui nous font, ils aident nous aider de l'avant aussi. Ils s'aiment bien et moi dessus. Mais valeur du jour, la première variété de tisane qui vous peut proposer. Donc là, nous avons 22 variétés qui nous peut proposer. Donc, pour les clients qui sont ici, les gens qui sont ici, nous avons 22 variétés, nous avons plusieurs malades. Oui, dans les autres projets pour développer une nouvelle variété. Oui, donc nous pouvons dans les autres projets, nous pouvons donc ban savonnette aussi avec valeur ajoutée ban artisane et puis donc nous pouvons dans les autres artisanes qui nous permettent au marché aussi bientôt. Oui. En 2018, même si la médecine est modernisée, la médecine traditionnelle conserve sa place dans la société rodriguaise.